Bonjour les amis, bien, ça fait quelque temps que j'ai pas fait de vidéo, bien sûr, sur le jardin, mais c'est pas entièrement de ma faute quand même, hein. Je me suis retrouvé une huitaine de jours à l'hôpital pour un infarctus, et donc là j'en sors, et j'essaie tant bien que mal, mais tout doucement, parce qu'en ce moment je vis au ralenti, de reprendre mon jardin. Voilà, alors bon, c'est pas problématique, on arrive à le faire doucement mais sûrement. J'ai complété les semis en terrine. Oui, également, les premiers semis ont été réalisés et commencent à sortir. Alors, tomates marmande, tomates noires de Crimée, des salades, là c'est des poivrons doux des Landes. Ici ça commence tout juste à sortir. Ce sont des poireaux, et là rien n'est sorti pour le moment. Ouah, peut-être ça. Ce sont des choux. Ouais, ça commence, ça y est, ce sont des choux. Allez. Bon, alors voilà les semis quelques jours plus tard. Ça fait faire environ maintenant 2 semaines, quoi. Hein? Voilà les tomates, là, qu'on va pas tarder à rempoter. Les salades, les petits poivrons, les poireaux, pas les poivrons, et les choux. Voilà, j'en ai d'autres en bas, des semis qui ont été faits, mais pas encore levés, mais ceux-là presque moins. J'ai également commencé quelques semis en pleine terre, et puis je suis en train de planter mes pommes de terre. Alors là, on va aller voir ce qu'il en est. Bien, alors voilà. J'ai commencé, j'ai fait actuellement 2 rangs de pommes de terre. Je vais en refaire au moins deux. Mais auparavant, il faut que je nettoie un tout petit peu, parce que ça a quand même poussé l'herbe en dessous la paille. Et donc, je veux simplement retirer le plus gros. Et ensuite, je planterai mes 2 derniers rangs de pommes de terre. Ça va aller bien, ça va aller vite à faire. Bon, alors voilà. En fait, je m'embête pas, hein. J'arrache simplement les gros trucs d'herbe et je nettoie un tout petit peu pour pouvoir poser mes pommes de terre. Voilà. Pommes de terre sont placées. J'ai plus qu'à recouvrir pour le moment avec du foin. Et à attendre que ça lève un peu avant de compléter pour que ce soit bien protégé de la lumière. Bon, voilà les amis, donc pour aujourd'hui on va s'arrêter, parce que la pluie est annoncée déjà sur Paris, et en général 2 heures à 2h30 plus tard elle arrive chez nous, donc la journée sera courte au jardin. Allez, bonne journée, à bientôt.